à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se rend avec Tom au Reptile Day d'Arras, donc Arras tout simplement, Saint-Laurent-de-Blanric précisément. Donc qu'est-ce que t'attends un petit peu de cette expo? Alors qu'est-ce que j'attends d'Arras? Que ce soit autant aussi bien organisé, qu'il y a déjà pas mal de gens qu'on attend, des amis, on retrouve des amis là-bas. Pour les citer quelques-uns, Buster de chaîne Reptile Home. Ouais, Buster Rico de Reptile Home, et puis Quentin Sanson de Gusty Reptile également. Par exemple, ouais. Peut-être Tanguy de Saint-Sauveur de Toupette, hein, que je ne connais pas moi-même. Ouais. Un peu après, les habitués. Hein, ouais, aussi, voilà, Nat Lambin de Tortue Mania, Jack Levener de Reptilus Jack, Jordan Jaffrelo, Reptilic Gecko, et bien d'autres aussi, hein, on va pas tous les citer, sinon on n'aura pas le temps sur la vidéo. Mais bon, on est tous contents de les revoir comme à chaque fois, quoi. Ça peut être sympa, avec pas mal de public, ce sera pas mal aussi, quoi. Ouais. Après, bon, niveau kélonien, je sais qu'on n'aura pas forcément grand-chose, parce que bon, c'est la fin de saison, hein, l'hibernation approche. Ouais. Même si les professionnels en auront quand même, parce que bon, ils retardent l'hibernation ou ils ne font pas hiberner. Donc déjà ça, quoi. Donc ça peut être pas mal. Des achats à faire? Non, à part la grosse migale là pour Céline. La grosse migale pour Céline, donc éleveuse d'escargot, donc on en reparlera un petit peu après. Alors moi niveau achat, les insectes, hein. Un présentoir pour les geckos léopards, donc c'est que j'ai des tortues mais j'ai aussi des geckos léopards, donc de naissance cette année. Donc pour pouvoir les vendre en bourse plus tard, j'ai acheté un petit présentoir donc à Jack Levener. Après sinon les cadeaux de Noël chez Tortue Mania aussi, histoire de prévoir un petit peu en avance. Sinon par ça rien de prévu spécialement. Voilà, espérons que la bourse se passe bien quand même. Ouais. Sinon on va parler un petit peu de Céline, hein, éleveuse d'escargot, donc qui va démarrer donc, sa première bourse au Reptilion mi-novembre, hein, donc vraiment dans pas longtemps. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle fait exactement comme escargot? Alors elle élève des escargots géants d'Afrique. Voilà, donc tout ce qui est. Ouais. Tous les gros baveux géants, que ce soit Akatina et Lisa Chatina. Elle fait vraiment de tout et elle a vraiment comparé à pas mal d'éleveurs qu'il y a en France. Mais déjà, des éleveurs en France, il n'y en a pas tellement. Mais. Elle est aussi diversifiée, enfin, moi, du moins en bourse, j'ai pas vu, c'était beaucoup de Fulica. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de Fulica. Et elle a vraiment de tout. Et puis elle vise peut-être sur d'autres espèces en prime pour l'avenir. Elle a vraiment de tout. Par contre, elle ne fera pas de vente pour ce reptilion. Ça sera pas parce qu'il n'y a pas tellement de repos de prête. Ça sera plus de la présentation. Ce sera les adultes, les escargots adultes qui seront là, qui pourront donner une idée aux gens pour avoir les futurs repos s'il faut commander ou autre. Ouais, et ça permet de voir aux gens aussi que le tout petit escargot qu'on voit dans les boîtes, on voit vraiment la version définitive. Ça devient une sacrée version. Ouais. Parce que ça monte à combien environ en termes de taille pour les plus gros? Pour les plus gros, c'est ça, ça peut aller jusqu'à 25 cm. Ouais, 25 cm, ça fait quand même une belle bête. C'est pas nos petits escargots de Bourgogne, ça c'est clair. C'est clair. Mais après, oui, c'est de l'entretien aussi, parce que bon, il faut quand même le terrarium qui va avec aussi adapté, très humide aussi, je pense. Elle sera là-bas pour vous expliquer tout ça, la maintenance, toutes les questions par rapport aux escargots géants d'Afrique, elle y répondra. N'hésitez pas à passer la voir quand même là-bas, puis toi aussi tu seras là-bas donc le dimanche. Hein, ouais, je serai là avec elle le dimanche et elle sera les deux jours, le samedi et le dimanche. Voilà, donc toi tu pourras aussi renseigner sur du reptile le dimanche. Par exemple. Ou ceux qui veulent te voir. S'il y a des curieux qui veulent venir me voir au Reptilion, j'y serai. Peut-être des abonnés de ta chaîne qui maintenant te connaissent un peu plus, ont peut-être de te découvrir un peu plus sur certaines espèces. C'est bon. On peut avoir des tortues, on peut avoir aussi d'autres reptiles, hein, donc il se peut que des personnes aient des tortues et soient intéressées par ma chaîne et puissent être intéressées par des conseillers au passage. Ouais. Parce que c'est bon, on a quand même pas mal de reptiles et puis des beaux aussi. Et toi, niveau projet, t'as pas d'exposition prévue pour le moment, quoi, juste le site. Niveau
sur projet, niveau projet, pour l'instant, non, j'ai pas de projet de faire de bourse. Peut-être plus tard si tant que j'aurai la place dans un nouvel appartement ou autre, je vais faire mes reproductions de Gecko et Gecko. Et déjà ça serait pas mal parce que il y en a pas mal qui en cherchent en France. Ça commence à se développe de plus en plus. C'est plus du prix. Les gens commencent à s'y intéresser, mais le problème c'est que il n'y a pas tellement de NC. C'est beaucoup du WC ou voire même carrément du préfage directement en nature. Donc si on peut faire du NC et éviter le prélevé, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est une chose que, enfin, moi, que je trouve géniale et que certains professionnels ne comprennent pas, c'est que le fait que des amateurs puissent faire des repros, c'est pas forcément pour leur baiser leur marché, leur baiser leur chiffre d'affaires. C'est aussi pour éviter, dans un sens, que eux ils aillent acheter en prélevé ou en farming. Notamment, comme je vois moi au niveau tortue, les pélos et Pelizos Castellus, c'est du farming. Donc si on peut éviter ça et se créer un réseau en fait, hein, il y a le réseau naturel qui restera tout seul, la nature s'autogérera là-dessus. Et nous, pour le commerce, créer un réseau spécifique où il n'y a que du NC, ce serait super quoi. Après, on pourra avoir la différence entre les espèces prélevées et le NC au fur et à mesure des générations. Mais ça éviterait de prélever dans la nature et ça serait une bonne chose. C'est clair, surtout qu'en ce moment, déjà, que ce soit en Asie, au niveau du Gecko-Gecko, pas seulement, parce qu'il y a énormément de forêts qui sont brûlées pour mettre des plantations de... de palme tout simplement, donc il y a des forêts qui disparaissent. Donc ça crée la disparition de certains reptiles. Voilà, il y a pas mal de reptiles. Pas que des reptiles d'ailleurs. Donc si on vient les prélever en plus, c'est pas top. Voilà, ça réduit la population, puis après on va se réveiller un jour et dire oh putain, c'est en voie d'extinction. Ouais, voilà. C'est un peu con, mais voilà, c'est autant faire un marché NC et que les animaux soient plus de prélevés que du NC, ça serait vraiment magnifique. Bon, après, c'est utopique, on va dire, et puis on a le temps quoi. On a le temps, surtout en France, vu qu'avec les taxes et tout, c'est pas évident de vendre des animaux sans être forcément à perte aussi. Mais bon, certaines animaleries se fournissent déjà chez des éleveurs amateurs aussi, à savoir. Ouais. Donc, comme quoi, tout est possible. C'est possible de le faire. Surtout que des éleveurs amateurs, il y en a qui font du très bon travail. Hein. Ouais. Donc, pourquoi pas s'appuyer aussi sur eux. Il faut tout dans le monde de la terrarie. Après toi tu parlais tout à l'heure du CDC donc et à eux pour les marins. Ouais, plus tard quand je serai un peu plus posé, passer mon CDC à OE pour pouvoir ouvrir mon centre d'élevage et de formation spécialisé en varanidés. Donc ce sera que vraiment centré sur le varan. Il y aura peut-être des geckos et des machins ou autres, quelques élevages de geckos asiatiques. Ouais, mais tu restes plus sur le varan. Ça sera la concentration principale, ça sera sur le varan. Après, c'est une bonne chose parce que quand on voit certaines personnes qui veulent se former pour devenir elles-mêmes capacitaires, des fois ils cherchent forcément des varans, des trucs comme ça, enfin ça peut être des varans, du gecko, et ils ne trouvent pas forcément toutes les espèces de varans, de gecko, de tortues à un seul endroit. Ils sont obligés de se balader pour pouvoir avoir des capacitaires. C'est ça, et on est obligé d'aller un peu partout pour pouvoir rencontrer plusieurs espèces. Là, ça sera vraiment un seul endroit ciblé vraiment que dans le varan. Toutes les espèces de varans possibles que je pourrais avoir. Les premières en France aussi. Hein. Ouais. Ça peut être un beau projet à mener. Bon, ça mettra un petit peu de temps aussi. Hein. Ouais, ça va mettre un peu de temps, mais ça va se faire. Voilà, puis là, il faut bien lentement, mais sûrement, comme on dit aussi. Hein. Voilà. Chaque chose en son temps. Ouais, ça peut être un bon projet. Hein. Ça peut être un bon projet. Surtout après, si tu as des repos qui peuvent partir pour des parcs zoologiques. Ouais. Ou même des détenteurs particuliers, ça peut être une bonne chose. Quoi. Bon bah sur ce on va vous laisser voir la bourse que Tom va vous filmer bien sûr. Hein. Puis on se dit à tout à l'heure pour faire un petit bilan. Tout à l'heure. Tout à l'heure.
Bah rebonsoir, donc bah nous voici pour la suite et fin donc de cette vidéo donc sur le reptile d'Edaras. Donc bah ça vient de se terminer depuis quelques heures, on est un peu fatigué. Journée vraiment énorme, beaucoup de monde, beaucoup de visites aussi VIP on va dire, avec notamment Tanguy de la chaîne Toupette sur YouTube, Quentin de Gusty Reptile. Des amis donc Hello et Ludo bien sûr, après bon on a vu quand même d'autres personnes, d'autres exposants comme Jordan, comme Nat, donc Vincent, et puis bien sûr Sabrina et Jack, donc et plein d'autres aussi hein. Donc voilà, donc qu'est-ce que t'as pensé toi de cette bourse? Bah il y avait pas trop d'espèces au niveau des insectes, des escargots, malgré que j'ai trouvé mon bonheur quand même. Sinon, bonne ambiance, comme d'habitude, quoi. Ouais, c'est plus c'est dit international, mais voilà, c'est, tu vois que c'est plus commercial qu'autre chose, quoi. C'est, ouais, après ouais. Bon, c'est vrai qu'on était dans un petit îlot avec Nat, Jordan et Jack et Sabrina, donc c'est vrai que c'était un bon petit coin où on se connaissait bien, donc c'est vrai que c'est très pratique. Donc après oui, c'est vrai que c'est au niveau public, c'est s'il y a beaucoup de visiteurs quand même. On a quand même fait énormément de ventes pour Reptile Zone Création hein. Ouais. À vrai dire, elle a fait plus de ventes que moi d'habitude, donc c'est vraiment sympa. Donc on va renouveler l'opération, enfin du moins si elle le décide hein, parce que bon, je suis pas le seul à décider. Ouais. Mais ça s'est plutôt bien passé, donc ça c'est un bon point aussi. Après au niveau info ça marchait pas mal, donc j'espère revenir l'année prochaine, donc 2017, avec des repros. Gecko Léopard ce sera sûr quasiment. Après en tortue à voir si elle se décide enfin à pondre au bon endroit. Donc on va voir ça. Après niveau achat, donc moi j'ai acheté le présentoir donc à Jack. Hein. Il y en a qui achètent des serpents, moi c'est un présentoir. Hein. On change un peu. Sinon on va des criquets comme d'habitude. Et toi t'as acheté quelque chose de spécial hein, donc, Ouais. Okay. Un gros Arcacatina marginata ovum. Voilà, donc c'est vraiment un très gros escargot. Hein. Ça, c'est, voilà, encore il est rentré, il veut pas sortir. Hein, donc bon, ouais. Mais on voit déjà la taille de la coquille. Ouais, ça fait une bonne taille. Ouais, ça fait une très bonne taille. Puis un bon, ça fait son petit poids quand même. Ouais, hein. Ça fait son poids. Ouais. Ouais, combien on avait dit à peu près 600, ouais, pas loin de 600 grammes. Ouais, pas loin de 600 grammes celui-là. Ouais, donc ça paraît pas comme ça, mais ça fait quand même un bon poids. Et puis. Ouais. Ça va bien manger à la cantine quoi. Donc ça c'est un peu le petit spécial de la vidéo. Il ne comptait rien acheter ce matin et ouais. Il est reparti avec quelque chose. C'est aussi ça on va dire un peu la magie de la bourse. Voilà, la magie de la bourse en quelque sorte. On craque toujours pour quelque chose. Ouais. Donc bon. Donc voilà, donc prochainement moi j'ai fini ma saison des bourses, donc je vais pouvoir faire un point là-dessus. J'étais déjà démarché pour d'autres bourses 2017, donc je vais voir aussi également ce que je vais faire, ce que je vais pas faire, donc ça je le déciderai dans la semaine en faisant une petite vidéo également des bilans de toutes les bourses de l'année, en revenant mois par mois sur celles que j'ai fait. Et toi donc il te reste donc Reptilion. Ouais. Reptilion. Donc dans 15 jours non? Le week-end prochain. C'est le week-end prochain. Le week-end prochain, donc Reptilion sur le stand spécial escargot le dimanche. Ouais, c'est ça. Donc ça va changer un petit peu les reptiles, tu verras plein de baveux partout. Ouais. Donc voilà, donc pour moi c'est fini pour cette année au niveau des bourses. Donc on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles bourses. Puis au pire, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas via la page Facebook directement ou même en commentaire de la vidéo, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, puis si vous voulez contacter Tom, il y a sa page aussi, donc Gecko France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, ou sur site internet si vous voulez plus d'infos. Voilà, donc à la prochaine. Salut!